Oui, ben, bonjour à toutes et Ah à ouais. tous. Alors, Bonjour, bonjour, c'est toi. ben, je suis astronome amateur depuis de fort longues années, depuis plusieurs décennies. Et en fait, au départ, ben, comment je suis venu à l'astronomie? Ben, c'est tout simple. Déjà, dès le plus jeune âge, vers 10-12 ans, je posais plein de questions à mes parents qui n'étaient pas forcément issus d'un milieu scientifique, donc qui n'avaient pas forcément la réponse à toutes mes questions. Et en fait, c'est ma grand-mère déjà qui m'a abonné à Ciel Espace, à la revue Ciel Espace qui est à l'époque. Et en lisant la revue, ben, en fait, j'avais déjà pas mal de réponses à mes questions. Et puis, j'étais tout de suite très intéressé à passer en fait à la pratique, c'est-à-dire à ben, pouvoir observer. Et puis, ben, à l'occasion d'un anniversaire, on m'avait offert un télescope Newton 215-900, où, ben, comme beaucoup d'astronomes amateurs, j'étais frappé par la vision des anneaux de Saturne, tout simplement à l'œil nu, quoi, en le voyant à travers le télescope. Et puis, de fil en aiguille, après, ben, je me suis intéressé à d'autres objets, aux nébuleuses, aux galaxies, toujours en visuel, parce qu'à l'époque, il y avait les moyens en termes de caméra étaient un petit peu limités. Ou alors, il fallait faire de la photo argentique, ce qui était un peu long. Mais voilà. Et puis, après, dans le cadre de mes études, eh ben, donc, j'ai passé un bac scientifique. J'ai continué après à l'université, bah, j'étais à Grenoble, donc sur l'université, sur le campus grenoblois, j'ai fait un DEUG A, donc DEUG A, c'est-à-dire faire essentiellement maths, physique, chimie, informatique. Et puis après, ben, j'étais aussi à l'époque, quand j'étais adolescent, j'étais intéressé par deux pôles bien différents, à la fois l'astronomie, mais d'un autre côté aussi tout ce qui était les techniques du son, et donc la physique du son, l'acoustique, l'enregistrement, la prise de son, et toutes ces choses qui gravitent autour de l'audiovisuel. Et puis, ben, en fait, purement par des questions où à l'époque je m'étais posé la question sur les débouchés, où j'avais bien vu que du côté de l'astrophysique, les débouchés étaient quand même assez restreints, comme l'avait un peu évoqué Sylvain dans son exposé. Et donc, ben, par facilité, en fait, je me suis orienté mes études vers des études d'ingénieur du son, où ben, j'ai continué le cursus jusqu'à, ben, une fois que j'avais eu le diplôme, ben, je me suis lancé dans l'audiovisuel, où j'ai créé ma propre société de production et post-production audiovisuelle, où ben, je continue actuellement toujours à exercer ce métier-là. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours, dans le coin de ma tête, j'avais toujours l'astronomie qui était restée, et j'ai passé un DU d'astronomie et d'astrophysique à l'université de Paris 12, bon, à distance, avec le CNED à l'époque, parce que j'avais aussi mon travail, donc je pouvais pas guère m'absenter de manière régulière pour pouvoir passer ce DU. Et ben après, j'ai enchaîné au niveau purement amateur, hein, parce que j'étais donc pas rémunéré pour cela, et ben, à me lancer dans les collaborations programmes. Alors là, je vous ai préparé un petit document que j'ai fait pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, ben, les collaborations programmes en astronomie, en fait, ça consiste à travailler de pair avec un astronome professionnel ou des astronomes professionnels sur un sujet déterminé en astronomie, astrophysique. Alors, ça soit, alors, il y a beaucoup de sujets, hein, c'est très, très vaste, hein, ça peut être de la photométrie, ça peut être de la spectroscopie. Et moi, ce que je vais vous parler plus particulièrement, c'est mon expérience à moi dans le domaine de la spectroscopie et donc les collaborations auxquelles j'ai participé. Et donc, en fait, on va dire que pour moi, l'an zéro de la collaboration proie, même s'il y en avait eu d'autres avant, ça a été en 2003, lorsque le CNRS a mis en place les rencontres et l'école Pro-Am d'Oléron, dont le but était en fait bah là vous voyez la photo de groupe, hein, c'est donc de mettre à la fois d'avoir comme participants des astronomes amateurs qui côtoient des astronomes professionnels. Et à ce moment-là, bah, en fait, il y a eu beaucoup de collaborations qu'on appelle Pro-Am qui ont vu le jour. Et donc, ben, moi après, je me suis plutôt orienté vers la spectroscopie parce que c'était quelque chose d'un domaine qui me fascinait tellement, enfin tellement ce qu'on, toutes les choses qu'on pouvait voir à travers un spectre, ça m'a toujours fasciné. Et donc, ben, j'ai persévéré dans cette branche-là,
où j'ai notamment fait beaucoup de spectres, et je continue d'ailleurs à le faire, hein, des spectres d'étoiles BE, des étoiles symbiotiques, des novas, des supernovas, des galaxies, enfin, tout ce qu'on peut faire dans le ciel en termes de spectres, eh ben, j'essaye de le faire avec mes modestes moyens. Donc là, vous voyez par exemple un setup, c'est un télescope de 12, de 305 mm de diamètre, hein, équipé d'un spectrographe UVEX qui a été conçu par une société française. Et bah, à partir de là, bah, j'ai pu faire comme ça beaucoup, beaucoup de spectres et collaborer, on va dire, utilement avec des astronomes professionnels. J'ai aussi participé beaucoup à des observatoires, dans des observatoires de mission. Donc, il faut savoir qu'il y a, en France, on est bien loti pour cela parce il y a le T60 au Pic du Midi, il y a l'observatoire d'Astroqueyras dans les Hautes-Alpes, il y a l'observatoire de Haute-Provence, il y a le plateau de Calerne. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où les amateurs peuvent observer avec du matériel assez conséquent, des télescopes de la classe entre, disons, 50 cm jusqu'à 1,50 m de diamètre. Et donc, ben, pouvoir faire des manips et donc, justement, avec ces gros télescopes, de pouvoir scruter et analyser des objets très faibles que l'on ne peut pas forcément faire simplement avec du matériel amateur ou un amateur. Enfin, moi, chez moi, j'ai guère plus qu'un 350 mm de diamètre, quoi. Donc, voilà, ça aide bien. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai souvent accompagné des voyages à vocation astronomique. Alors, des voyages organisés notamment par l'Association française d'astronomie ou par des agences de voyage locales du côté de Grenoble, où là par contre pour l'agence locale, j'étais rémunéré en tant qu'accompagnateur astronomique pour notamment bah, soit la découverte, par exemple je suis allé très souvent au Chili pour accompagner des groupes de vacanciers pour la découverte du ciel austral, par exemple, de faire voir un peu, et puis la beauté du ciel au Chili, voilà, tout ce qu'on pouvait voir comme des objets, et puis voilà, la beauté du ciel austral. Mais aussi de profiter aussi de certains phénomènes célestes intéressants, comme les éclipses totales de soleil, où j'ai accompagné aussi pas mal de voyages pour, ben, à l'occasion de nombreuses éclipses. Alors bon, j'ai énuméré tous les pays dans lesquels je suis allé jusqu'à présent pour aller voir une éclipse. Et voilà, c'est toujours un phénomène qui est toujours très très surprenant et fascinant. Et donc voilà, j'ai aussi et je continue à accompagner des voyages astronomiques selon l'activité astronomique. Et puis ben, je donne aussi beaucoup de conférences en spectroscopie stellaire. Alors que ce soit à l'occasion, ben, maintenant vous connaissez bien les rencontres du ciel-espace, ben, il y a la nouvelle édition qui va avoir lieu le mois de novembre prochain, donc le 9, 10, 11 à la Cité des Sciences à Paris. Je participe souvent à des congrès pro-âmes dans le domaine international, donc notamment aux États-Unis. Ben là, vous voyez la photo de groupe, ça a été pris aux États-Unis à Las Cruces au Nouveau-Mexique. Où là, pareil, c'était une rencontre où il y avait à la fois des astronomes professionnels et des astronomes amateurs, où on discute bah, essentiellement de sujets qu'on peut développer en spectroscopie stellaire. Et puis bah, aussi, il y a des nombreux ateliers de formation en ligne que j'ai pu faire ici et là. Voilà. Et autrement, bah, depuis 2018, là, j'ai intégré la seule société au monde qui fabrique des spectrographes pour l'astronomie. C'est la société Shéliac Instruments, donc qui est basée pas très loin de Grenoble, donc c'était pas très loin de chez moi. Et donc, ben le patron de cette boîte, qui est François Cochard, en fait, qui l'a développée depuis 2006 avec Olivier Tizzi à l'époque, eh ben ils ont développé un certain nombre de spectrographes à la fois pour la communauté amateur, mais aussi professionnelle. Et donc, ben mon but, en fait, dans cette société, bah, c'est d'assurer la communication. Alors là, ça rejoint aussi mon autre boulot, qui est donc la communication audiovisuelle. Et donc, voilà, j'associe un peu ces deux domaines, ce que je fais de par ma formation, que j'ai toujours su faire, et ben, appliquer dans le domaine de l'astronomie, et plus particulièrement de la spectroscopie. Je fais aussi des essais de matériel. À mon niveau aussi, ben,
Je suis aussi dans les développements des nouveaux produits, des nouveaux spectrographes que cette société commercialise. Et puis aussi, bah, j'assiste d'un point de vue technique les clients qui veulent par exemple monter un spectrographe sur un télescope donné. Alors souvent aussi pour des universités américaines où ils utilisent des gros télescopes et qui me demandent en fait de savoir bah, quel est le spectrographe le mieux adapté en fonction de leur configuration et de leur sujet d'étude. Et puis en 2019, alors ça c'est du, on revient du côté purement 100% amateur, avec des copains que vous voyez tous sur la photo. Donc il y a Stéphane Charbonnel, il y a Thomas Petit, il y a Pascal Leduc, il y a Lionel Mulato. Donc là on pose devant le panneau de l'Observatoire de Haute-Provence. Et ben on a créé l'association TOSPOT, qui veut dire en fait South Cern Spectroscopic Project Observatory Team, et qui avait pour but en fait d'aller installer un télescope piloté à distance au Chili. Donc là, vous voyez la photo du site, là, sur la photo. Et en fait, on a installé un double télescope sur une monture, une grosse monture. On a mis deux télescopes de 305 mm de diamètre. L'un, on a mis un spectrographe basse résolution. Et sur l'autre, on a pris un spectrographe haute résolution, enfin moyenne haute résolution. Et on collabore comme ça avec des projets. Ben, par ailleurs, on produit des spectres selon l'activité astronomique pour des professionnels. Qui intègrent donc nos spectres dans des publications qu'ils font ou où on participe en fait à leur programme de recherche. Et donc, bah, notamment, là, je vous fais voir en fait deux résultats. C'est ce qui est notre force aussi, c'est notre réactivité. C'est-à-dire que là, on est capable de produire des spectres très rapidement. Ou si par exemple il y a une lance d'une nova qui vient d'exploser dans le ciel, et ben quelques heures après, on peut faire son spectre. Donc ça a été le cas par exemple sur ces deux novas qui ont explosé dans le Scorpion et le Sagittaire en 2023. Et puis, bah, des fois, on participe même à des grosses publications comme cette publication dans la revue Nature bah, il y a tout juste un an, où en fait on avait participé nous à notre modeste niveau à produire un spectre justement de cette étoile qui était l'hôte de deux exoplanètes. Et en fait, ces deux exoplanètes sont rentrées en collision. Et le but, c'était au moment où il y avait la collision, d'arriver à avoir un spectre de l'étoile pour connaître la nature de l'étoile, de son type spectral, et puis de savoir ce qui se passait en fait sur cette étoile. Donc en fait, on a apporté un des nombreux éléments à ce puzzle qui a fait l'objet de cette publication. Et donc en fait, ben, dans la publication, là, je vous l'ai mis en haut à gauche. Eh ben, en fait, tout ce que j'ai surligné en jaune, c'est des amateurs qui ont participé. Alors, bien sûr, il y a déjà tout notre groupe de TOSPOT qui était là, mais il y avait aussi un Néo-Zélandais, il y avait aussi un Américain. Enfin, voilà, il y a eu d'autres personnes qui ont participé à cette grande aventure qui a fait l'objet justement d'une publication dans cette revue. Et puis, plus récemment, en 2023, donc il y a tout juste un an, on a créé avec d'autres amateurs, avec Christian Bull, Valérie Desnoux, Mathieu Lelin et Guillaume Bertrand, on a créé l'association Staros Project, qui a en fait deux buts. Le premier but, c'est de constituer en fait des campagnes de mesure sur des objets donnés. Par exemple, on avait lancé une campagne sur Alpha Cygni et sur 10 Lacerta l'année dernière. Le but, c'est de collecter un certain nombre de spectres et de pouvoir les étudier et de voir justement l'évolution spectrale au cours du temps, mais en faisant intervenir un grand nombre d'astronomes amateurs. C'est-à-dire que là, pour les campagnes, typiquement, il y a à peu près 50 ou 60 personnes différentes qui ont téléversé des spectres dans la base de données qui avait été développée par Mathieu Lelin et qui donc nous permet en fait après de suivre et d'avoir une chronologie sur un laps de temps donné de l'évolution de ces étoiles. Et puis plus récemment aussi, pareil, c'est toujours la même association, on a développé un nouvel appareil qui s'appelle le SunScan. Donc vous le voyez là sur la photo en haut à droite. C'est un appareil en fait qui est un spectrohéliographe. Donc en fait, on le met sur un petit trépied, comme vous le voyez aussi sur la photo en haut, tout à fait en haut à droite. On vise le Soleil et après on laisse faire la rotation de la Terre et comme ça, on peut scanner le Soleil à divers longueurs d'onde. Donc là, vous voyez un peu l'image ben, dans le continuum, donc en visible. Vous voyez juste uniquement en H-alpha, au magnésium, dans la raie du calcium H. Et puis, bien sûr, on peut mettre en évidence par ce principe-là les raies et les protubérances solaires. À noter que c'est un truc qui a été conçu justement avec nous cinq, où Guillaume Bertrand a fait un travail remarquable, notamment aussi sur la CAO du boîtier et aussi sur l'application smartphone, où en fait, avec votre simple smartphone, bah, vous pouvez piloter cet appareil pour produire automatiquement les images que je vous montre à l'écran. Et puis en fait, bon, voilà, pour résumer un peu mon cursus, en fait, en tant qu'astronome amateur,
Je participe à énormément de programmes de collaboration programme, ce qui fait l'objet aussi beaucoup de publications dans divers médias, dans des revues à comité de lecture comme Astronomie et Physique, comme Nature, mais aussi bah, dans des revues grand public comme l'Astronomie ou comme Ciel et Espace. Voilà, c'est pour dire aussi que même tout en restant astronome amateur, où c'est pas, même si vous avez vu un peu, je suis un peu hybride, c'est-à-dire que je suis à la fois du côté amateur, mais je suis aussi un peu du côté professionnel parce que il y a une partie de cette activité astronomique qui me rapporte de l'argent et puis une autre qui est totalement bénévole où tout simplement je m'intéresse à plein de choses et je collabore avec plein de sujets. Voilà, ça permet justement de lier les deux. C'est pas inintéressant parce qu'en fait bon, mes journées sont bien occupées, mais avec passion, on va dire. Je m'embête pas. C'est le grand intérêt d'être, on va dire, un astronome amateur passionné. Et puis, juste pour vous terminer cette petite présentation, vous dire aussi, ben justement, au fruit de tout ce que j'ai pu collecter comme information, comme expérience depuis plusieurs décennies, eh ben j'ai décidé d'écrire un ouvrage qui s'appelle 10 expériences de spectroscopie astronomique pour les amateurs. Donc voilà, vous avez un peu le sommaire des chapitres et des sujets qui seront abordés dans ce livre, et que ce livre ben sera, enfin il est chez l'éditeur en ce moment pour relecture, pour mise en page et tout ça, et il sera disponible en mars 2025. Et j'espère justement qu'il aidera de nombreux futurs astronomes amateurs à se lancer dans la spectroscopie. Voilà, et puis bah, merci de votre attention, puis bien, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors oui, il y a une personne qui a posé une question. Est-ce que vous avez fait une formation, suivi une formation pour faire de la spectroscopie? Oui, enfin, plusieurs. Alors la première, ça a été dans le cadre de mon DU, donc mon diplôme universitaire d'astronomie et astrophysique, où il y avait une partie sur la spectroscopie, où en fait c'était plus sur le redshift des galaxies, c'est-à-dire ça s'intitulait Comment calculer l'âge de l'univers. Donc en fait, il y avait déjà une formation de spectroscopique sur l'analyse d'un spectre et de savoir ben, qu'est-ce qu'on pouvait lire dans le spectre en termes d'effet Doppler, décalage des raies spectrales d'une valeur au repos à une valeur shiftée qui nous donne en fait la vitesse de déplacement et donc la distance. Après, il y a eu d'autres formations un peu informelles, que ce soit à l'Observatoire de Meudon, à Paris ou dans d'autres endroits, fait à la fois par des amateurs avertis, mais aussi des professionnels qui nous expliquaient, par exemple, notamment à l'Observatoire de Meudon, on a eu aussi souvent des colloques sur les étoiles BE qui a été animé par l'astrophysicienne spécialiste dans ce domaine qui est Coralie Nenner, et donc qui nous a donné en fait des informations sur bah, qu'est-ce qu'on voit dans un spectre, de quelle manière évolue une étoile BE, enfin voilà. Nous donner un certain bagage en termes de connaissances dans ce domaine de prédilection.